Wanda mwanamke. Le Zaïre Monet
fort, ingénieux à la création. C'était l'équivalent de 1 dollar. La politique des grands travaux, je cite en passant, station RDC, c'était salon pour les joueurs. Au plan social et culturel, Institut Makanda Kabobi, la tournée nationale, la Bakos, Gunaza, Insta, ISC, ISP, UPEP, IPTP, ENA et FACIP. En conclusion, nous demandons que l'œuvre de prise par la chaîne Mobutu soit continuée car il est positif pour l'intérêt de la nation. En revanche, nous demandons le rapatriement du corps de Marshall Mobutu. C'est un fils du pays qui a travaillé pour le pays, qui doit être rapatrié dans son pays. Ensuite, il faut ériger pour lui un monument en souvenir de ce qu'il a réalisé pour le pays. Enfin, il faut ajouter aussi à cette circonstance, pour l'unité nationale, il faut rapatrier aussi le corps de Moïse Tshombe. Enfin, l'âme de Marcel Mobutu, il est posé en paix. Je vous remercie. Hey, je suis son fils, je suis Junior Mobutu, comme tu l'as dit. Aye, tose beli na présence ndeko nyonso oyo baye kolele longo na biso ndenge tolobaka Bible lobi kolela na ba oyo bazole. Alors esengo na ngai ezali komona bandeko ba manifester amour kolela président na bango oyo azalaki pe papa po na biso pe po na bino. Yangonde esengo na ngapo mémoire na ye ezolongwa te na mitu abato bazobosa na papa te et puis je suis sûr que bakobosa na kayete. Merci. Dorekile makasi parce que je sais que mon père c'est quelqu'un oyo azaki très fort et puis par rapport à ma travail oyo ya sala Bilembo ezali. Mais je crois aussi président Fati qui est nabe fort oh ya bandi ko sala que il y aura de bonnes choses. Mais il y a des choses oh ezongisima parce que les gens pensent à notre papa. Mais je suis sûr et certain que avec le président actuel et puis ba président Obazoya, malgré le président Kabila sala qui peut ba effort naye mais peza munene quand même. Mais papa travaille à sali ya ko sala. Mais le col à moi, Mboka, et Zaki na moi, Kozonga Sima, to comprendre déjà Bitumba ya Est, de Yango, président Zobunda Pona Yango na Ebike, to ko avancer. Mais pour le moment, to Zaki na moi échec, mais to ko avancer. Le tribalisme, on n'a jamais vécu ça. Mobutu faisait en sorte que Nante Munga, la cause de la Tindi, gouvernait la Katanga, Katanga, à Équateur. Moutouya Bazaï à l'époque, aujourd'hui Congo central, à Kassai, tout ça, au conseil, donc il avait une fédération nationale. Et intégrité nationale, la chose a été vraiment respectée. Et là, on sent qu'il y a des moutouillons sur la vie, à Zanabina Boulamounaï. Mais là, on sent là-bas, dirigeant la Bissot, tout le monde, tout à l'unité nationale, c'est ça mon analyse. Unité au Mobutu Zaki à l'époque, aujourd'hui, il n'y en a pas. Tout le monde, la cohésion, Zala, tout ce qui abat l'esprit à tribalisme, tout le monde, unifié pays, tous en armée moro force, une armée force, la police moro force, autrement dit, bah sarme zalaka, bah DSP, quand on attendait ces noms-là, on sentait vraiment que vous êtes devant les bons militaires. Et moro en abisso, et rozon a vraiment dengue une tête mobutu tigela gibisso. En fait, c'est un peu ça mon analyse pour le moment. Non, 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 t'aurais clé vraiment parce que, n'a pas à battre exemple, j'ai dit ça toujours, et pour là, on va devant la presse. Non, ma bosse a 32 ans mobutu. Depuis son départ, Bosali calcule, Bosu a musé, Bosu a Kabila fils de 18 ans, Bosu a 600 ans dans mon lot. Bon totalisé, bon ta réalisation, de reculer,
32 ans, critique, oui. Mais nous voulons aujourd'hui parler du peuple. Pour Maréchal, on a eu un exemple. Pour Maréchal. Vous savez comment on compte chaque jour, on a pas Maréchal. Et ça, c'est vraiment Maréchal. Bonjour à RTNCO. Moi, on compte par jour, on va dire, et ça, c'est Maréchal. Stade Camagnol à l'époque, aujourd'hui, stade des martyrs. Combien on compte? Et ça, c'est vraiment. Voyez-vous un peu? Donc, tout le monde est ma casse, donc tout le monde vraiment ma. Alors, nous demandons ce qu'il y a. Et là, on a quand même tout le monde qui est pour honorer mémoire à Maréchal. Je n'ai pas dit que non, bah, on va discuter, bah, on tout bazar ma bien, non. Bazar ma bien, fait, on va s'en mettre. Au moins, bah, œuvre grandiose à mon bout. Il y a Maréchal. Sauf que Malandis, c'est moi qui vous allez bien. Je m'appelle, bon, comme on a là, monsieur Ndozoa, fils de Ndozoa. Fils de Ndozoa, oncle de Maréchal. Je suis cousin, un de Maréchal. Monsieur le cousin, on vous a trouvé ici à l'église, au cathédrale de Notre-Dame. Cathédrale de Notre-Dame. Tout s'est retrouvé le long Awa. Pour la mémoire à notre grand frère Maréchal. Mobutu, c'est ce que vous avez dit. Wazabang. Alors, le jour où a Koufati, ils ont dit le 7 septembre. A sali le nom, Nibu, Nibale, Nassambo. Namboka Yabapaya. De Tueko, Sambila, le nom pour la mémoire. Nabande Konabiso, Oyon, Sobakoufadi, Obakuni Baona Maroc. Alors, pour remercier le président de la République, Félix Tshisekedi, Nandenge, Afouali Motema, Onabiso, Fanny Mobutu, CCC Kokoukouben, Wazabang. Makamoya Maréchal, Yé Azali, ancien président, Oazala, 32 ans, Namboka Oyo, eh bien, à ça, 32 ans, alors, décision, il faut que vous n'êtes pas président de la République. Ce qui a proposé, c'est que, Tati Boye, vous êtes préparé, pas que vous soyez bébé, pauvre maréchal Mobutu, c'est ce que vous dites. Famille à Kondima, à Kosangana, Bandimi, au président, à vous proposer, mais. Et ça, je suis un politique. Je suis un président de la République. Ce n'est pas nous. Merci. Moi, c'est M. Yves. D'accord. Et quelle est votre analyse sur l'anniversaire aujourd'hui de Maréchal? Ben, déjà, comme vous le savez, chaque le 7 septembre, la famille organise ici, en la cathédrale Notre-Dame, la messe en la mémoire de feu Maréchal Mobutu Sese Seko, qui était le deuxième président de notre pays. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre qu'après son départ, on a évolué ou on a réussi? Bon, s'il faut faire une analyse objective, je dirais, après lui, chacun de présidents qui sont passés, chacun a apporté sa touche. Mais ce que je peux dire en termes sécuritaires, nous avons régressé, puisque vous voyez le théâtre dans le théâtre en termes d'incursion des agents, des éléments étrangers dans notre pays. Nos frères et sœurs sont tués injustement. Et vous savez, l'intégrité nationale, la sécurité du pays, qu'est-ce que ça représentait aux yeux du maréchal Mobutu? C'était quelqu'un qui tenait vraiment à ça, puisque à son temps, notre pays était respecté par nos voisins, et même sur le plan international. Aujourd'hui, en tout cas, sur le plan sécuritaire, je dirais que nous avons régressé. Mais espérons que nos nouveaux dirigeants feront de leur mieux pour que enfin notre pays puisse retrouver son intégrité nationale. Merci beaucoup. Je vous en prie.